Bienvenue sur la chaîne du studio Lugorna. On espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on est à la recherche de ma jumelle. Donc, c'est parti. Je suis une licorne avec des pouvoirs magiques. Mon style est épileptique. Je suis une licorne avec une crinière soignée. Elle est douce comme Beyoncé Unicorn. Alors voilà, comme Nona vous le disait, on est à la recherche de sa jumelle. Bon, c'est pas sa jumelle physique, mais c'est sa jumelle mentalement. Donc en fait, c'est pour ça qu'il y a quelques jours, on vous a posé des questions sur Instagram. Donc c'était « Tu préfères, par exemple, Vaiana ou La Belle et la Bête ?» Et en fait, entre ces deux questions, il fallait répondre la même chose que Luna. Voilà, mais sauf que vous ne savez pas. Voilà, c'était vraiment un petit piège. Oui. Et du coup, ce petit jeu a été inventé par la chaîne de Meilana Aquarius. Donc du coup, on mettra son lien en barre d'infos. Et on essaiera de vous mettre aussi sur le petit i. Donc du coup, c'est parti ? C'est parti ! Donc voilà, on va commencer par la première question. Ici, on vous mettra la fiche. Voilà, sur le côté, on vous mettra la petite fiche avec les pourcentages. Oui. Alors Luna, entre Vaiana et Belle, tu avais choisi quoi ? Vaiana. Donc, il y a eu Vaiana pour 67% et La Belle et la Bête pour 33%. Donc, bien sûr, il fallait répondre Vaiana. Alors, ensuite, c'était la question semaine ou week-end. Et Luna, tu te rappelles ce que tu avais choisi ? Où il y a l'école. Donc, c'est la semaine. Donc, il y avait semaine 18% et 82% pour le week-end. Et du coup, il fallait répondre la semaine. Donc, à partir de ce moment-là, on a perdu tellement de monde. Donc, voilà. Et j'adore l'école. Voilà, Luna adore l'école. Donc, ensuite, la troisième question, donc le troisième sondage, c'était « Tu préfères l'eau ou le coca ?» Le coca. Donc, vous avez été 55% à dire le coca et 45% à dire l'eau. Et il fallait donc bien répondre le coca. Coca. Alors ensuite, il y avait « Tu préfères la couleur rose ou le violet ?» Violet. Et Luna avait répondu « Violet » et vous avez répondu 57% pour le rose et 43% pour le violet. Donc pareil, on a perdu aussi pas mal de monde à ce niveau. Oui. Ensuite, c'était « Tu préfères les donuts ou les gaufres ?» J'ai dit les donuts. Voilà, parce qu'on est la team donuts. Donc voilà, vous avez été 62% à répondre les donuts et 38% seulement à répondre les gaufres. Oui, j'aime que au chocolat. Oui, c'est vrai. Ensuite, il y avait, tu préfères l'été ou l'hiver ? L'hiver. Et Luna préfère l'hiver parce que bien sûr, il y a Noël et son anniversaire. Oui. Et du coup, vous avez été que 17% à répondre l'hiver. Comme Luna, donc on a perdu énormément de monde, contre à 83% pour l'été. Alors, le prochain sondage, c'était, tu préfères Paris ou Marseille ? J'avais dit Paris, je crois. Bah oui, parce que Luna me réclame toujours d'aller à Paris. Oui. Donc, vous avez été... On va bientôt y aller. Oui, voilà, c'est vrai. Donc, vous avez été 70% à répondre Paris et 30% seulement à répondre Marseille. Donc, voilà, il fallait répondre Paris. Ensuite, c'était « Tu préfères les pizzas ou les hamburgers ?» Moi, j'avais dit pizza, je crois. Bah oui, parce que Luna adore les pizzas. Donc, du coup, vous avez été quand même 54% à répondre les pizzas contre 46% à répondre les burgers. Voilà. Donc, voilà, c'était 54% les pizzas qu'il fallait répondre. Sinon, vous allez voir un peu. Là. Voilà, de toute façon, on vous mettra à côté les petites vignettes. Alors ensuite, la question c'était, tu préfères l'école ou les vacances ? L'école. Et Luna préfère l'école, donc vous avez été que 22% à répondre correct et 78% à avoir répondu les vacances. Oui, je sais, je suis bizarre, l'école. Donc voilà, c'est aussi à ce niveau-là qu'on a encore perdu pas mal de monde. Oui. Et ensuite, Luna, tu préfères les licornes ? Les flamants roses. Licorne. Bien sûr, les licornes. Et vous avez été nombreux à répondre à licorne. Donc, 84% contre 16% seulement pour les flamants roses. Ensuite, il fallait répondre. Tu préfères les glaces ou les bonbons ? J'avais dit les glaces. Oui, Luna adore les glaces. Donc, c'était 59% contre 41%. J'aime bien les cornets avec de la vanille. Ah oui, c'est trop bon. Et bien sûr, il fallait répondre les glaces. Glace. Et la dernière question du dernier sondage, c'était « Tu préfères
Le sucré ou le salé? J'avais dit le sucré. Oui, le sucré. Et du coup, vous avez été 73% à répondre le sucré contre 27% le salé. Parce que le sucré, c'est comme du sucre. Bah, c'est tout ce qui est bonbons, gâteaux, voilà quoi. Ouais. Tous les trucs que tu aimes bien manger. Et donc du coup, dans ce résultat, Luna n'a pas trouvé sa jumelle. Voilà, donc il y a des personnes qui ont failli réussir. Il y a deux ou trois personnes qui ont failli réussir. Sauf que au lieu de mettre le coca, elles avaient mis l'eau. Ou alors, c'était, elles préféraient l'été que l'hiver. Donc, par contre, on a, avec Luna, décidé de refaire ce challenge d'ici quelques mois. Donc, peut-être vers Noël. Et par contre, on changera toutes les questions. Donc, on verra comme ça si on trouve, avec d'autres questions, la jumelle de Luna. Voilà. Donc, nous avons tagué Récréafun, Le Monde de Nathan, Stacy Lunette, Cindel, les décibels, les démos de Charline, l'atelier de Noam, Léna's copine. Donc, j'espère que vous allez réussir ce défi et que vous allez trouver votre jumeau ou votre jumelle, parce qu'il y a aussi des garçons qui peuvent participer. Voilà. Bon, bien sûr, nous, on ne l'a pas trouvé, malheureusement. Mais nous sommes tout de même la jumelle de Meilana Aquarius par rapport à ses questions à elle. Voilà. Donc voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des commentaires. Et si la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, nous, on se retrouve pour de prochaines aventures. Oui, et merci pour vous abonner. Voilà, ciao.